10 épilogues, le 20e siècle. Je m'arrêtais là, ne m'étant pas proposé d'écrire une histoire de type scientifique, mais de choisir dans le passé les témoignages les plus utiles à nous affranchir de certains préjugés. Les métamorphoses ultérieures et la littérature récente des droits de l'homme sont archi-connues, tandis que ces textes que j'ai commentés l'étaient sans doute moins. Il me reste un remords parmi quelques autres, d'avoir tant fait l'apologie de la méthode dialectique sans l'avoir moi-même pratiquée. Pour finir, je laisse la parole en le remerciant de m'apporter la contradiction au premier lecteur de ce livre. Très chers collègues et amis, à peine l'année reprise, je me vois surchargé de commissions et de consultations, mais ai trouvé le temps de parcourir votre manuscrit. J'avoue que c'est austère. Vous savez mon goût personnel pour l'histoire qui est mon violon dingue. Permettez-moi de vous dire que vous la desservez. Vous abusez des sources anciennes, vous sautez par-dessus les 18e et 19e siècles d'importance majeure et restez muet sur le présent. Cher ami, malgré ou à cause de votre érudition et de la densité de votre réflexion, j'ai grand peur que vous n'arrivez pas à persuader le lecteur du 20e siècle de renoncer à son culte des droits de l'homme. Voyez-vous, les droits de l'homme existent, ils sont installés dans la place, tel est le fait. Pour ma part, je ne sais que les faits. Votre imprudence est de vous en prendre à plus fort que vous. Le langage est un lien social, moyen de communication intersubjectif, nous disent les linguistes. Force collective qui s'impose aux individus. Avez-vous oublié Durkheim? Il n'est pas en votre pouvoir de changer le langage de votre milieu. En ce point, nous sommes déterminés. C'est ce que m'a appris l'histoire scientifique. Et j'en suis désolé pour vous, mais ce langage est nécessaire. Le public ne va plus s'informer dans la somme théologique ni dans l'éthique à Nicomaque. Il lit la presse et regarde sa télévision. Il est au courant des réalités. Ignorez-vous ce dont la presse et la télévision ont la preuve? Mais du goulag, des tortures au Salvador, de pendaisons chez Khomeini, d'enfants squelettes, de petites filles de pendées de 12 ans vendues en Thaïlande à des tenancières de bordel. Vous répondez que ces horreurs n'ont rien de nouveau et que l'histoire en a vu d'autres. Mais prenez garde que l'homme d'aujourd'hui s'est élevé aux idées de progrès, de bonheur et à la technique des assurances, tandis qu'autrefois les croyances au diable, au péché, à la pénitence et à la croix faisaient accepter la pilule. Le choc est autrement perturbant. Chez le spectateur installé dans son fauteuil de télévision, mon ami le docteur Schietzowicz, avec son équipe, ont noté des perturbations psychologiques, syndrome de culpabilité, des pulsions incommodantes, un besoin sourd de réagir qui déstructure le subconscient. Comme tous ne sauraient réagir à la manière de Mère Teresa ou de Médecins sans frontières, l'utilisation des droits de l'homme, dont vous paraissez méconnaître l'opportunité, est d'un rendement sûr. Je sais bien sûr qu'il ne suffit pas de déclarer des droits pour changer grand-chose aux réalités. Pas plus que vous, je n'imagine que la déclaration solennelle des Nations Unies ait pour effet de rendre l'Ouganda démocratique. Là, vous enfoncez des portes ouvertes. Mais le principal vous échappe. On n'a pas porté, à mon sens, une suffisante attention à la vertu thérapeutique du langage des droits de l'homme pour le rétablissement de l'équilibre psychique et l'apaisement des bonnes consciences de nos concitoyens. Cela, je dois dire que les socialistes l'ont compris. Faute de disposer d'un remède contre l'inflation et le chômage, leur programme prévoit la proclamation du droit de tous à l'augmentation du SMIG et au travail, ce qui a apporté aux classes travailleuses un début de satisfaction. De même au Cambodge, au Vietnam, que puis-je faire pour les Vietnamiens qui s'accumulent sur leurs bateaux en mer de Chine? Proclamer le droit à la vie, aux libertés et aux vacances? Eh oui, le XXe siècle a besoin de rêves. Cher, vous dirais-je ici, le fond de ma philosophie. Le christianisme, une fois mort, disparu la sagesse antique, la réflexion à laquelle je me suis livré m'a conduit à cette conviction qu'il importe de restituer à nos sociétés post-industrielles un substitut de religion. Religion des droits de l'homme. Pour équilibrer ce qu'une éducation axée sur les sciences positives pourrait avoir de desséchant, j'ai toujours tenu pour recommandable à nos jeunes intellectuels de s'inscrire à la Ligue des droits de l'homme, outre que c'est un bon tremplin pour une carrière politique. Et d'autre part, cher ami, ne me faites pas dire que les droits de l'homme soient impraticables. Je n'irai pas nier l'évidence. L'expérience prouve qu'ils sont utiles à faire reculer l'injustice. Mais telle ou telle forme d'injustice, au coup par coup, sélectionnée. Vous avez raison de noter que leurs formules sont si vagues et qu'elles peuvent en effet servir toutes les causes. Vous pouvez manier les droits de l'homme contre Pinochet, Brezhnev, Khomeini, Bokassa, l'Ouganda, la Chine. Jouer du principe de la liberté des peuples, à disposer d'eux-mêmes, à votre gré pour Israël, pour l'OLP, etc. Vous en servir pour prendre ou non la défense des écoles libres. Notre Conseil constitutionnel, s'il doit trancher sur le projet de nationalisation que mijote
Mitterrand pourra tirer des droits de l'homme ce qui lui plaira en fonction du rapport des forces. Mais ne voyez-vous pas combien c'est commode? Ne sentez-vous pas, comme je fais moi-même, l'avantage du flou? Et cet impact, cette capacité de résonance, la fécondité rhétorique du mot, comme il trouve l'oreille de nos concitoyens. Dommage que vous soyez tus sur Kant et Fichte, dont la philosophie imprègne nos structures idéologiques. Voyez la Pologne. À vous suivre, on se contenterait de blâmer les fautes de ses oppresseurs. Il n'est pas dans mes habitudes de marchander ainsi mon appui. Vous avez pu lire dans Le Monde d'avant-hier le manifeste auquel j'ai cru devoir accorder ma signature. Nous y affirmons le droit de grève en tant que droit de l'homme imprescriptible et fondé sur la dignité personnelle de tout travailleur. Vous me direz que les éminentes personnalités prix Nobel de physique et de chimie, rédacteurs de ce document, manquent de compétences sur le droit, que dans l'état économique où gît la Pologne, la grève est une arme à double tranchant et peut se retourner contre l'Echevalesa, que le droit se calcule en fonction de la conjoncture. C'est le leitmotiv de votre ouvrage. Le droit serait l'art de mesurer les parts de chacun, par cette méthode qui vous plaît de nommer dialectique, à laquelle je n'ai rien compris et que vous avouez incompatible à la science contemporaine. Non, cher ami, cela n'a plus cours. Le droit est l'art de savoir des textes et de les appliquer, de les accommoder à notre intérêt. Chercher le juste serait trop fatigant. Vous exigez trop. Je ne vois personne, aucun de vos lecteurs, prêt à fournir de pareils efforts cérébraux auxquels ne sauraient même pas satisfaire nos maîtres à penser d'aujourd'hui, les ordinateurs. Ignoriez-vous les derniers travaux de l'anthropologie scientifique? L'homme du XXe siècle n'est plus cet être délibérant, prenant son temps avant d'agir, que voulait Aristote. On se figurerait à vous lire que l'histoire n'eût rien fait pour promouvoir et changer l'homme. Nous voici à l'ère de l'homo technicus, et vous vous êtes trompé d'époque. Un esprit moderne ne va pas s'exténuer, tel Thomas d'Aquin, à poursuivre l'adéquation des mots aux choses. L'usage n'est-il pas révolu de ces distinctions où se complaisait la scolastique et des explications de textes? Vous vous ramenez, cher ami, en classe de grammaire, tandis que nos UR sont au stade des études supérieures approfondies, spécialisées. J'aurais épargné au lecteur ce temps perdu sur le vain problème de la définition du droit. La question de langage auquel vous avez dédié votre ouvrage, en définitive, ont peu d'importance. Il se commet dans nos thèses universitaires un raz-de-marée de fautes de français et l'immense machine du CNRS jargonne à plein tube. Est-ce que cela l'empêche de tourner et d'accroître sans cesse le volume de nos connaissances scientifiques? Peu importe ce que veulent dire les mots, mais la manière dont on en use. Croyez-moi, notre monde a bien fait de se débarrasser d'Aristote et de toutes ces tergiversations. Im Anfang war Dittat. À la veille de l'an 2000, seul compte l'action, si j'osais l'écrire, l'action directe. Si je me suis permis de vous le dire crûment, c'est que ce livre pourrait constituer une mauvaise action. Vous eussiez mieux fait de consacrer ces 3 mois d'été 1981 à quelques tâches lucratives. Non que je veuille vous décourager, après tout, de votre livre, le public retiendra son titre, témoignage de la vogue présente des droits de l'homme, qui ne manquera pas lui aussi de servir à leur illustration. Je demeure le fervent défenseur de cette grande cause et vous ai dit pour quelle raison, mais excusez-moi, je suis débordé par tant d'affaires qu'il me suggère. Bonne fin de vacances, E.F. Ile d'Arts, septembre 1980. Annexe 1, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14. Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Annexe 2. Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations, considérant que dans la Charte des peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant une déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Petit 2 de plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, administratif ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce territoire soit indépendant, sous tutelle ou non autonome, ou subisse toute autre limitation de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination. Discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été également établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Petit 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Petit 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Petit
de ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun, sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations Unies. Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Petit 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Petit 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Petit 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Petit 2. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Petit 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Petit 2. Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Petit 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tout autre moyen de protection sociale. Petit 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Petit 2, la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. Petit 2, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Petit 3, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique, aux bienfaits qui en résultent. Petit 2, chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Petit 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Petit 3. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies. Article 30 et dernier. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.